Allez, salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 19 sur Don't Starve Together avec Eo. Salut, salut. Et c'est parti, la dernière fois on s'était laissé sur la création de notre petit camp secondaire. Oui, tu me dis comme ça. C'est en cours de lancement. C'est lancé. Tiens. Je ne le vois pas, mais d'accord. Du coup, que vais-je faire? Est-ce que je continue de... Je continue de déblayer. D'accord. T'as déjà pourtant pas mal déblayé. Mais que d'un côté. Ah. Est-ce que je suis en QWERTY? Est-ce que je suis pas en QWERTY? Telle est la question. C'est un peu ça. 1, 2, 3... Hop, je dois être dans la mauvaise configuration. Je n'ai plus de pelle. Mais. Hop. Ah, je suis peut-être en... Majuscule. En mage. Allez, on retente. Tu ne pourrais pas te mettre le mot de passe en CTRL-C et CTRL-V? Je sais pas si ça marche. Ah. Bien, je vais te mettre un mot de passe beaucoup plus simple. Qui nécessite pas d'avoir de QWERTY. Le QWERTY. Je te laisserai quand même passer un petit peu aux alentours pour récolter ce que j'ai détruit. Évidemment. Ici on met des abeilles. On a une route, il y a plein de fleurs. J'ai plutôt bien dégagé le coin déjà là. Un hôtel de résurrection. Oh cool. Première chose à faire quand on vient ici, voler le sol. Oui, puisque l'hôtel de résurrection n'est pas cool pour ressusciter, il est cool parce qu'il y a du sol. Oui, puis si tu veux, il y a des têtes de cochon que tu pourras piller. Ah oui, tiens, je ne pensais plus. Des carottes et des baies. Ouais, le classique. Pas mal de choses. Pas mal de choses basiques. Mais c'est toujours utile les choses basiques. Ça dépend. Les carottes, franchement. Ça se permet toujours de faire un ou deux petits plats. Ouais, on est plus à ça près. On a ce qu'il faut. C'est sûr. Petite balade. Plein de fleurs. Pour l'instant, c'est tranquillou hein, le coin. Ah, moi, j'ai détruit pas mal de ressources. Il va falloir tout récolter maintenant. J'attends qu'il commence à faire nuit et je reviendrai. C'est pas très intéressant comme coin. Non, mais ça me servira de base pour partir explorer beaucoup plus loin. Ouais, mais je suis en train d'explorer et en fait on est entouré par la mer. Ah. Ouais, c'est ça. De tous les côtés? Je suis en train de revenir, mais... Mais là, oui, en gros... Enfin, de toute façon, après, quoi qu'il arrive, la carte est entourée par la mer de tous oui, les côtés. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que de là où on vient, il y a un petit côté à droite où il y a la mer, et ben voilà, c'est... Il n'y a pas beaucoup plus à explorer. Dommage, hein. Oh, du bois par terre, partout. Après, on peut aller dans les quatre directions, donc on verra un petit peu ce que ça donne.
on va stocker ça ici. Qu'est-ce que tu peux stocker, toi? Non, ça, voilà. Hop. Oui, là, clairement, tu as de quoi te faire plaisir sur toute la région. J'ai eu la main lourde. J'ai tout déraciné. Très utile. Bien, ma foi, oui, ça nous évite d'être attaqué par des arbres. Oui, en même temps, si on n'en coupe pas, le plus grand risque, c'est encore quand tu les coupes. Bah, en même temps, on avait besoin de bois, donc... Chester, viens là. Hop. Non. Prends ça. Voilà. Eh ben, on va être tranquille niveau bois. Hein. Je pense que oui. Chester. Tu peux prendre ça? Non, évidemment. Mais... Bon, bah j'ai plus de place. Ouh, bah, on va retourner à la maison. Technique du je garde l'item dans ma main. Tu vas te l'allumer? T'es proche du feu? Vers notre feu. Non, je suis pas proche, mais je vais l'allumer. T'es pas proche, mais tu vas l'allumer. Bah, je suis derrière toi. Donc je vais l'allumer. Bon, bah allume-le. Ah, oui. Ah, du coup, je vais commencer à embouser les coffres. Ce qui me fera un petit peu de place. Ah, oh, mais je vais embouser Nash. Ah non, 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 arrête. Quoi? Mais arrête. Mais pourquoi? Mais le coffre est plein. Eh ben, comme ça, tu peux en remplir un autre. Il me faut une hache, il me faut une pioche, il me faut une pelle. Bon. Oui. Eh bien, je vais faire le tour de ce qui reste. Puis je pense qu'il faudra aussi rentrer. Ah, donc tout ce que je mets dans le coffre, là, en fait... Faudra le ramener, oui. En même temps... Voilà. Tout ce qu'il y a ici, c'est à ramener au camp. Bon, bah je reprends. C'est bon, j'ai compris. À part si tu veux continuer d'explorer pour cet épisode. Bon, j'ai fait grosso modo... Enfin, j'ai pas pris J'ai pas regardé au milieu de la map, mais ce qui est clair, c'est que tout le contour, c'est la mer. Alors, là, tu regardes vers où pour toi? Le nord est par là-bas. Ok, hop. Alors, eh ben, tout le nord, c'est la mer. Voilà. D'accord, mais en même temps, je pense que c'est un peu la mer partout. Non, mais je sais pas si la carte est immense. Là, t'as 50 mètres et puis c'est entouré de mer. C'est une presqu'île. Qu'est-ce que tu fais? Moi, rien. Je viens d'être déconnecté. D'accord. En fait, tu m'envoies paître. Non, je n'ai strictement rien fait. Ouais, c'est ce que tu dis. Et c'est comme ça après que je me retrouve avec des jours en moins, mais. Mais moi, je n'ai rien fait. Tout de suite, tu m'accuses alors que c'est ta connexion qui. Ah, le serveur me refuse de moi, en fait. Le serveur refuse moi. T'as très bien compris. Le oui, serveur ne d'accord. répond pas. Disconnect, do it. Play. Ah ouais, non, mais si en plus tu le déconnectes, je risque pas de réussir à le rejoindre. Mais c'est pour que tu puisses le rejoindre, justement, que je découvre. Les aléas du direct. Exactement. Du direct en différé. Bien, généralement, ça, c'est des choses que l'on ne montrerait pas dans une série classique comme Divinity. Mais là, on n'a pas bien le choix vu que les sauvegardes sont automatiques. Et on sait à quel point ça nous est arrivé sur Divinity. Ouais. Non, il veut pas répondre. Hein. Eh bien, je ne peux pas faire grand chose pour toi là. Donc, Don't Starve, qu'est-ce qu'on... Oh, ça charge, attends, peut-être ça va marcher. Fonctionner. Non, début de l'hiver. Ah non. Ah si. Ouais, non, mais non. Et oh, ah bon, bah, puisque t'es là et que t'as enfin réussi, on va fêter ça par, crève de froid. Oh, d'accord, c'est gentil, merci. Bon, bah, du coup, on va ramener nos ressources au campement. Voilà. Je suis en train de récolter tout ce que j'ai laissé. Bon, bah, je vais au campement, hein. Tchuss.
Elle commence à faire la navette, histoire qu'on puisse se ramener. Bon bah ça du coup je le mets là, je vais voir si je peux pas ramasser 2-3 babioles ici. Chester, qu'est-ce que tu peux prendre toi? Bah tu peux rien prendre donc... Les graines. Je peux pas prendre les graines. Je vais prendre les graines. Tiens, je les pose parce que moi je peux juste les tenir et... Hop, jump. J'entends un glouglou, mais oui, il y a un glouglou. Bon. Fallait bien qu'il arrive ce deuxième hiver. Ouais. Ah! Mes boulettes de viande sont jaunes. Je les mangerai. Ce serait bien que tu viennes récolter les ruches. Oui, je viendrai récolter les... Pourquoi moi? T'as plus de vie? Non. Seulement. Moi, mentir. Oui, toi, mentir. Mais que nenni. Tu te fourvoies. Mais si, si, si. Je ne me fourvoie point ni personne. Oui. C'est très la France, ce que toi parlais. Mais... Toi. C'est bizarre ce que tu racontes. Je m'adapte. Tu t'adaptes? Je m'adapte à la personne en face de moi. En face de toi, tu es une personne. Moi, je joue sur un ordinateur. J'ai un écran d'ordinateur. C'est marrant, hein. Comme quand il veut rien comprendre, il excelle dans ce domaine. Tu n'as pas idée. Oh, que si. C'est justement ça qui fait peur. Tu le subis à longueur de temps. Ouais. Vous avez pas idée. Vous. Ah, je pense que si, hein. Je sais pas. Je pense qu'au fur et à mesure des épisodes que nous passons ensemble, il commence à se rendre compte du calvaire que nous sommes l'un pour l'autre. Ouais. Bon, moi je récolte encore quelques arbres. Même si je pense que niveau bois, ça devrait être pas mal. Tu pourras même faire du sol si tu veux. Ouais. Là, fichu pingouin. Qu'est-ce que tu fais avec les pingouins? Ils sautent partout. Ah bah oui, c'est vrai qu'il y a les pingouins en cette période. Bon bah je vais ramasser les baies. Ah oui, c'est vrai que tu fais ça. Tu peux venir chercher... Ah oui. Non, là je vais pas sortir. Alors demain. Ta-da-dam. Du coup, j'aurais pas relancé mon sort. De toute manière, il aurait fallu refaire un bouquin. Bon, est-ce qu'on en avait besoin? Je pense pas. En plus, je vous ai même pas montré comment on fait. Si je vous ai... Ah, si, bah si, au début. Oui, tout au début. C'est des papyrus que j'ai par défaut, c'est pas des bouquins. Mais il existe d'autres bouquins. Par exemple, il y en a un qui se fait avec un œuf, il me semble, qui. Fait qu'il y a plein d'oiseaux qui viennent, c'est ça? Je crois que c'est quelque chose comme ça. Peut-être, oui. Et donc si on a un cochon, on lui donne quelques baies et il fait du caca et ça nous permet de ravoir des baies. C'est bien. D'accord. Hein, c'est pas genre tu savais pas. Et si. Bon, eh bien, voilà, j'ai plutôt bien rangé. Plus qu'à attendre que tu viennes récolter tout ça. Je commence à avoir un petit creux. Du coup, je vais pouvoir cuisiner les champignons. D'accord. J'utiliserai ma tente au prochain jour. Bah, je suis en train de m'occuper du campement, du coup. Ben, je vais attendre qu'il fasse jour, que tu viennes m'aider à récupérer tout ce qui reste, et on rentre. Toi, du coup, tu re-rentres. Enfin, moi, je re-rentre. Oui. Deux frigos, ça suffit peut-être pas. Parce que là, on commence à avoir vraiment beaucoup de choses. Cuisiner. Oui, enfin, le coffre à
frigo à trucs cuisinés est plein. Bah, je vais m'en occuper. Bien. Alors ça c'est la nuit. Peut-être refaire un coffre à bois. C'est pas votre neige. Oh, de la neige. Oh, c'est mignon. Oui. Chester, qu'est-ce que tu as dans toi? Trop de choses. Je te l'accorde. Qu'est-ce qu'on va faire? Hop. Où elle est ma machine? Ah là. Bah tu vas équiper, voilà. Et tu vas nous enlever. Bah tiens, sous ici, je trouve que c'est sympa. Voilà. Oh, elle est mal placée. Bon bah ici. Pouf. Pouf. J'enlève tout notre sol. Hein. J'espère que ça t'embête pas. Moi, oh, vas-y, fais-toi plaisir. Oui, j'ai le droit de me faire plaisir. Moi, je suis un peu bloqué là autour du feu, puisque il n'y a plus rien. Alors, hop, Chester, viens. Donne-moi ça. Ça va là. Hop, nickel. Et ça, ça va tout autour. Fait jour. Parfait, je te laisserai venir récupérer ce qui est. Je note qu'on a plus de pierre machin chose. De pierre machin chose. Ouais. Je vais en refaire une. Hop. On refait une pioche. Oui, c'est cool, tiens. Reste là. Survival. Il me faut un caillou supplémentaire. Allez, ouvre. Voilà. Une autre pierre. Me voilà rentré. On met les deux pierres près du feu. Alors. Mais pourquoi tu as mis la viande et les baies dans ce coffre-là? C'est normal que ce soit plein. Devine. Il n'y a plus de place dans l'autre. Ah bah oui. Alors, on ferme la place. Voilà, il y a de la place dans le coffre à nourriture. Coffre à trucs inutiles, c'est celui-là, je crois. Hop, du coup, je vais te poser un petit peu ce que j'ai ramené là. Carottes, je peux mettre là. Graines, je peux mettre là. Le bois, je vais le dropper aussi. On va les mettre là. Ces cailloux là, on va les mettre là aussi. Les baies, je crois qu'il y a de place. Bah si, il y avait de la place. J'ai plein de choses, moi, tu te rends pas compte. Mais attends. Juste. Ah là, il y a de la place. Hop. Bien. Hop, hop. Et ça, ça fait partie des trucs inutiles, ça va là. Nickel. Ça, on va le mettre là aussi. Et puis, bah, on va pouvoir y aller. Vas-y, vas-y. Normalement, juste ton inventaire devrait suffire. Go, go, go. Donc, faudra récolter les lapins, récolter les ruches. Je vais chercher tout ce qu'il y a là-bas. Je m'en charge. Il est là. Je m'en charge. Je fais ce que je peux. Là, c'est vraiment de la récolte intensive. Ah, toute l'herbe, tout ça, je récolterai ça plus tard. Je vais d'abord m'occuper de faire toute la nourriture parce qu'on en a plein. Et niveau lapin, on n'était pas déjà full dans les coffres? Je crois que si. Si, donc, tous les lapins récoltés devront être tués. Tout est dans le coffre ou il y avait d'autres choses qui étaient... Non, tout était dans les coffres. Ok. Je reviens donc. J'ai pas fait de bruit. Je crois que je suis passé de 159 à 144. Je suis pas sûr. Oui, c'est pas énorme.
Enfin, toi, tu la régènes comme tu veux, moi pas. Enfin, si, mais c'est plus long. Je vais prendre des lapins au passage, tiens. Il veut rentrer, mais comme je suis devant, il recule, il re-rentre, il recule. Il est complètement paumé. Hop. Il y en a un autre là. Hop. Il va y en avoir un là. Oui. Ben, tous les lapins que tu récoltes, tue-les et mets la viande au frigo. Je vais la cuisiner de suite. Bien, monsieur. Tous ? Oui. Parce que j'en ai une dizaine déjà. Oui, oui. Oui, je vais faire un peu de miel. Des lapins et accessoirement ça c'est le corps pas trop inutile. Bon, je vais profiter de la nuit pour dormir un peu. Fais donc. J'entends les lapins mourir. On la fait sécher là, et là, et là, ici, on tient de la viande. Meurtrière. Donc c'est toi tu m'as demandé. On accuse les autres, mais c'est quand même toi qui commets ces crimes atroces. Bla bla bla. Alors, on a dit ça. Hop, on récupère ça, ça, ça va en bas. Ici, comme le pain, nickel. Ici. Et au lever du jour, il faudra se laisser. Mais oui. Ça, je prends aussi. Ça, rien à faire. Ça, on a trop de bois. Et, ouais, et il en reste encore plein en bas. Non, je parle de bois, pas de stick. Mais... Non, je parle de là, regarde. Ah, oui, oui. Oui, non, mais on a carrément trop de bois. Mais je vais faire un coffre à bois. Utiliser du bois pour ranger du bois. C'est ça le secret. Bah, je vais le récolter, hein, déjà. Hop, voilà. Hop, un petit coffre. Il va faire jour et il va falloir que l'on se laisse. Hé, mon coffre, mon coffre, oui, mon coffre. Je te laisse poser ton coffre. Merci. C'est bon, le coffre est posé. Oui. Bien. Eh bien, je déconnecte le serveur. J'ai très faim. Et c'est sur cette remarque que du coup l'épisode va s'arrêter. Et on vous dit à la prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, bye bye.